Bienvenue à tous sur la chaîne de Jeux Vidéo Magazine. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Spider-Man Miles Morales. En effet, j'ai eu l'occasion d'interviewer les créateurs du jeu il n'y a pas longtemps et on a parlé de plein de choses sur le jeu. Alors d'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo concernant le gameplay, vous la retrouverez ici. Mais aujourd'hui, on va parler des spécificités de la version PS5. Alors, comment le jeu tire profit de la manette DualSense? Quelles sont les améliorations techniques apportées par rapport à la version PS4 qui va aussi sortir à la fin de l'année, je vous le rappelle? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, tout de suite, après ce petit générique. Et on va commencer cette vidéo en évoquant les modes de résolution. En effet, Spider-Man Miles Morales proposera deux types d'affichage. Le premier sera donc en 4K et 30 images secondes et vous permettra de bénéficier du Ray Tracing. Alors le Ray Tracing, petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas bien, c'est une technique de gestion de la lumière qui permet de gérer les reflets de la lumière et donc d'afficher des graphismes plus réalistes. Donc voilà, le jeu proposera ce mode baptisé de fidélité dans lequel vous aurez le Ray Tracing. Sinon, vous aurez également le mode performance, cette fois en 4K et 60 images secondes. Alors la différence principale, elle saute aux yeux effectivement, entre 30 images secondes et 60 images secondes. On voit bien que d'un côté, c'est beaucoup plus fluide. Par contre, en ce qui concerne le Ray Tracing, je dois dire que pour l'instant, je ne suis pas complètement convaincu. En effet, je trouve que les différences entre le mode performance d'un côté et le mode fidélité de l'autre sont pas non plus visibles à l'œil nu. Alors d'accord, il y a peut-être un peu plus de reflets dans la version 4K 30 fps grâce au Ray Tracing, mais franchement, c'est pas non plus... Donc bref, ça sera à vérifier dans le jeu final. Quand j'aurai la version, je vais pouvoir passer beaucoup de temps en mode performance et en mode fidélité, et là j'espère qu'il y aura des différences qui vont vraiment sauter aux yeux. En tout cas, en ce qui me concerne, moi je pense que j'ai plutôt joué en 4K 60 fps parce que je préfère la fluidité à quelques effets de lumière en plus. On passe au temps de chargement. Alors ça, c'est une grosse promesse de Sony depuis l'annonce de la PlayStation 5. C'est la disparition pure et simple des temps de chargement. Alors faut-il y croire? J'ai quand même un peu de doute, mais néanmoins, la plupart des développeurs qui travaillent sur les jeux actuels promettent bien des jeux sans temps de chargement, et c'est le cas de Spider-Man Miles Morales. Alors concrètement, comment ça va se manifester dans le jeu? Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez joué au premier Spider-Man sur PS4, à chaque fois que vous vouliez utiliser le fast travel, le déplacement rapide d'un point à l'autre de la carte, vous pouviez utiliser le subway, le métro. Et d'ailleurs, pendant le chargement, il y avait une scène assez sympa dans laquelle on voyait Spider-Man prendre le métro comme n'importe quel citoyen lambda. Alors apparemment, dans Spider-Man Miles Morales version PS5, ces temps de chargement vont complètement disparaître. Ce qui fait qu'on n'aura même plus cette petite séquence avec Spider-Man dans le métro. Alors les créateurs m'ont dit que par contre sur PS4, on aura toujours ce petit temps de chargement, donc avec la petite animation qui va avec. Mais que sur PS5, rien du tout, walou nada. Alors encore une fois, moi, je ne crois que ce que je vois, mais pour l'instant, on ne peut que faire confiance aux développeurs. Et ne vous inquiétez pas, quand le jeu sortira, on vérifiera tout ça ensemble. Allez, maintenant, on va parler de la manette DualSense. En effet, j'ai pu demander aux développeurs comment le jeu allait utiliser, allait mettre à profit les spécificités de la nouvelle manette de la PlayStation 5. Donc on va commencer avec les retours haptiques. Vous savez, les retours haptiques, ce sont ces vibrations HD, vibrations plus qu'on nous promet avec la PlayStation 5. Alors comment ça va fonctionner dans Spider-Man Miles Morales? Les créateurs ont pris l'exemple de l'utilisation du pouvoir Venom. Donc comme j'en parlais dans ma vidéo sur le gameplay, vous avez effectivement ce nouveau pouvoir basé sur l'électricité. Et quand vous allez l'utiliser en maintenant L1, vous allez sentir dans la manette comme une concentration d'énergie dans la poignée gauche. Alors vous allez ressentir des micro-vibrations comme ça, comme si la puissance se concentrait. Et une fois que vous allez relâcher l'attaque, vous allez sentir le déplacement de l'énergie de la poignée gauche vers la poignée droite. Donc en gros, voilà, les vibrations vont vraiment naviguer d'une partie à l'autre de la manette pour vous faire ressentir l'utilisation des pouvoirs. Alors, c'est l'exemple que m'ont donné les créateurs. Encore une fois, je n'ai pas eu la manette en main, donc c'est difficile de s'en rendre compte. Mais je crois avoir à peu près compris ce qu'ils veulent dire, et j'espère que c'est aussi le cas pour vous. Alors, autre utilisation de la manette DualSense, ce sont les gâchettes à retour de force. Ainsi, quand vous allez vous balader dans New York en lançant des fils comme ça, vous allez ressentir une espèce de résistance à chaque fois que vous appuyez sur les gâchettes. Donc ça devrait permettre d'avoir plus ou moins la sensation de lancer des vrais fils, d'augmenter un petit peu le réalisme par rapport à ça. Alors moi, ce qui me fait juste un peu peur, c'est que comme on passe quand même beaucoup de temps à se déplacer dans le jeu, c'est de sentir tout le temps ces petites résistances pendant qu'on joue. On verra ce que ça donne. Concernant le pavé tactile, vous savez, la manette DualSense a un pavé tactile comme la DualShock 4, ça va être un peu votre téléphone portable dans le jeu. En effet, vous allez beaucoup communiquer pendant le jeu avec Gankili, donc ça c'est le meilleur ami de Miles Morales, mais également avec Peter Parker qui va revenir sous forme d'hologramme. Et tout ça va se passer par le pavé tactile de la manette. Donc ce que m'ont expliqué les créateurs du jeu, c'est tout simple, c'est que vous allez utiliser le pavé tactile exactement comme un téléphone portable, en swipant à droite, à gauche, en haut, en bas,
pour accéder aux différentes options. Donc ça, c'est pas non plus complètement nouveau. Il y avait des jeux comme, par exemple, Days Gone qui utilisait déjà ça il y a pas longtemps. Mais bon, si c'est bien fait, bah, ça peut être plutôt cool. Donc on verra ça, encore une fois, dans la version finale du jeu. Alors, dernier élément de la manette DualSense mise à profit, eh bien, c'est le haut-parleur. Alors, c'est pas non plus une révolution, puisqu'il y avait déjà un haut-parleur dans la manette DualShock 4. Et il était déjà utilisé plus ou moins de la même façon, c'est-à-dire que certains sons vont sortir directement de la manette. Eh bien, pour vous immerger un peu plus, parce que voilà, le son sort directement là, au niveau de vos mains, ça améliore un petit peu l'immersion. Alors, les créateurs n'ont pas forcément donné beaucoup de détails là-dessus. À mon avis, par exemple, quand vous allez discuter avec Gankili, je pense qu'on va entendre sa voix qui va sortir de ce fameux micro. Ou quand vous parlez aussi avec Peter Parker, ce genre de choses à laquelle il faut s'attendre. Et on va conclure avec une nouveauté dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo et qui a provoqué pas mal de remous sur Internet. Eh bien, c'est le nouveau visage de Peter Parker. Bon, alors là, j'ai un peu triché. C'est pas une spécificité de la version PS5 parce que sur PS4, ça sera pareil. En tout cas, sachez qu'effectivement, Peter Parker a changé de visage entre Spider-Man sur PS4 et ce Spider-Man Miles Morales. Alors pourquoi ce changement de visage? Eh bien, l'explication des développeurs, c'est qu'ils voulaient coller au plus près au véritable visage de l'acteur qui incarne Peter Parker. Alors ça a déçu quand même pas mal de joueurs, c'est peu de le dire. Et il y en a quand même qui sont allés jusqu'à menacer physiquement les développeurs du jeu parce qu'ils avaient changé de visage. J'ai envie de dire, mais ça va pas les gars ou quoi? C'est juste un visage dans un jeu vidéo quoi. Alors après, vous avez le droit de pas aimer, il n'y a pas de souci, mais menacer les développeurs, vraiment? Seriously? Bref, passons, il y aura toujours des haters. Voilà pour ce petit tour d'horizon des spécificités de la version PS5 de Spider-Man Miles Morales. N'hésitez pas, bien entendu, à lâcher un petit pouce bleu, à réagir dans les commentaires, hein, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce Spider-Man Miles Morales. N'oubliez pas, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Surtout que là, je voudrais pas vendre la mèche, mais à mon avis, il va se passer des choses très 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 intéressantes dans les jours à venir. Bien entendu, vous pouvez suivre Jeux Vidéo Magazine sur Facebook, Twitter, Instagram, Discord. C'était Arnaud pour Jeux Vidéo Magazine et je vous quitte en relançant quelques toiles parce que j'adore ça. Bad, very bad!